Allez, next, on enchaîne direction la machine à sous Exploding Pumpkin. Donc, certes, sur le précédent jeu, c'était une remontée quand même miraculeuse, 5318. Ouais, c'était quand même tendu parce que ça sentait la loose bien comme il faut. Donc, on va commencer avec des spins à 30, c'est parti. Ouais, le précédent jeu, les spéciales séries de spins perdants, le truc bien flippant. Alors, 90 balles. Quand est-ce que ce jeu va nous pondre le joker explosif? De préférence, rouleau 3 en plein milieu. Bon, rouleau 3 en plein milieu, c'est la position optimale, mais ça sort pas très souvent de cette façon. Allez, 50, on va essayer ça. Ouais, en espérant qu'il y ait du win, parce que 10 spins perdants ça fait moins 500, donc ça peut aller très vite. 10, 20, 30 spins perdants, puis ainsi de suite. Allez, 50 balles. Eh ben sans déconner, si nous sortait le joker en plein milieu, là on avait les 3-7 roule 1, 3-7 roule 5. Là c'était le big jackpot. Mais bon, faut quand même pas rêver. Alors en parlant du Satanas de joker, il n'est pas encore sorti. 4000 à 0,18. J'attaquais d'entrée fin avec les mises à 50, donc là les spins perdants ça pique. Pas un joker explosif à l'horizon. On va se calmer un peu. Pas encore vu le joker une seule fois, là c'est impressionnant. C'était très bien qu'il ait un peu rare à sortir, il sort pas très souvent, mais là quand même, il pourrait nous faire une petite apparition par-ci par-là. Ben, sans déconner, moi qui me plaignais des séries de spins perdants de la précédente machine, là celle-là c'est un peu. C'est un peu la même. Ah ben là, on s'est fait défoncer de 2000 balles, un peu plus. Ah ben, s'il faut, là, je vais battre le record du précédent jeu niveau spin perdant. Premier joker, on a du four of a kind, 405, pas énorme. Alors, les pastèques, dommage pour le rouleau 4, on n'en a pas. Donc au final, cacahuète. J'ai quand même commencé à 5300 balles. Ah bah ouais, il fut un temps où j'étais chanceux aux machines à sous, ça payait régulièrement, mais là depuis... Ces derniers temps, c'est de la maxi lose sur maxi lose. Alors, dommage, ok. Il faut gagner rang, mais c'est du lot symbole, ce qui nous fait.
405, on est mal barré. Allez, Fort of Kind d'ici. 255. Bon ben au moins le Joker il aura fini par montrer sa ganache parce qu'il était totalement absent en début de partie. Pas mal, pas mal. Ouais, 2500 balles à peu près en moins. Depuis le début de la partie, bon, je vais peut-être me fixer les limites vers les 1000 balles, mais est-ce pas on se tape une remontée entre temps. Alors, un petit spin chance. Ouais, non, on va pas essayer ça, on va pas abuser. Ah bah dire que sur cette machine à sous j'ai déjà fait des gros wins sur de précédentes parties mais là c'est apparemment la grosse lose en prévision. Les jokers ils se sont remis en mode total absence. Allez chiffre 1. Ouais, les pastèques c'est du high symbol mais dommage il n'y en a pas sur le rouleau 5. Allez, petite tentative risquée. Une fois qu'on passe en dessous de la barre des 2000, ben, enfin si on passe en dessous, retour des mises à 30. Alors, joker, joker, joker. Je ne vais pas me la lâcher sur le rouleau 5. 675 balles. Calmer un peu. Alors on va tenter un spin ultime. Et ouais, spin ultime que dalle. Ouais, pas de faille au feu quand même non plus. Joker au milieu. Ça aurait été le jackpot, mais pas de joker, bah zéro win. Et voilà, il sort ici. S'il était sorti là quand il y avait les 7 roulants rouleau 5, c'est big pépette à la clé. Programmeurs de ce genre de jeu ils sont pas fous, c'est plutôt avantageux pour le casino que pour le joueur, enfin sur une grande masse de joueurs. Certes, il y en a qui gagnent, mais il y en a plus qui perdent quand même. Cacahuète, 135. Ça va pas faire lourd.
Dommage, pastèque roulant, ça aurait été pas mal. 165, pas énorme. Ouais, de rien, de rien. L'eau symbole et cerise, ça paye pas grand chose. Bon, de toute façon, limite fixe à plus ou moins 1000 balles, donc on va peut-être pas tarder à dégringoler jusque là. Même pas un x10 par rapport à la mise. On n'arrive pas à faire l'opération décollage de la balance, un peu comme le CAC 40, comme la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais là c'est tendance à la redescente. Ouais, quand même. Catastrophique niveau win. Catastrophique de chez catastrophique. Bon, là, s'il me sort pas le wide au milieu rouleau 3 avec soit des 7 rouges, des pastèques roulant rouleau 5, on est mal barré. Sans deck, j'arrive à ma limite fixée à 1000 balles. Ah ben là, ce serait une jolie torchade, une de plus. Ah ben c'est clair que précédemment, j'étais souvent chanceux avec ce genre de jeu, mais là, c'est retour à la réalité, back to the reality. Ben, sauvé de justesse, mais ça va pas faire lourd. 100 balles. Ouais, c'est juste histoire de retarder un peu l'échéance. Ouais, elle a un spin chance. Ben, spin pas de chance, ben, on en reste là, 968. Ça va pas être évident de se taper une remontée, ce serait vraiment un coup miraculeux.